Alors ici, c'est la vallée de la Semois, et plus particulièrement la vallée de la Semois namuroise. Et en fait, le but de la journée, c'est de partir de Bohan-sur-Semois, qui est le dernier village avant la frontière française, et d'aller jusque Vraisse-sur-Semois, juste à côté de la forêt, qui est un des plus beaux villages de Wallonie, et de retourner en packraft, tout simplement. Ici on est à Membre et je peux t'avouer que c'est casse-pattes, c'était du jeu de mots. Pentuet, c'est vraiment pentuet. Alors, si j'entends encore qui que ce soit dire que la Belgique est un plat pays, je lui fous 18 kilos sur le dos et je l'emmène ici. Alors toi, tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai pas de packraft, etc., etc. Figure-toi qu'à Vraisse, à Vraisse-sur-Semois, il y a moyen de louer des kayaks. Et donc, suffit de dire au personnel, voilà, moi, je vais jusqu'à Bohan, mais je reprends pas le bateau, parce que je suis venu à pied. Et voilà, en fait, le tour est joué.